Le CP, faire la quête du Rideau du Rail de Messiaen est très bien. J'ai découvert sur le Paris Games Week, Tokyo Game Show, le 19 mois avant qu'il sorte. Et j'étais surpris de faire l'aventure au ralenti. Juste tweeté sur ma chaîne Bad Switch. Ça a coupé? Dieu qui regarde déjà. Messages, n'hésitez pas les cocos. Alors, voyons voir ce qu'il veut lui déjà. T'es qui? Pas les habitants de Morgan, Emily et Gonsolel, pas de meilleure option. Certains jours, quand le vent souffle de la mer, on arrive presque à oublier que c'était une station d'épuration ici. Vous avez les graines? Bien. Donnez-les-moi. Écoutez, j'ai besoin de votre aide. L'opération risque d'être compromise. Et vous avez besoin? Hé, je fais ce que je peux, mais je suis tout seul ici. Je pense que Bill Sutton, mon contremaître, a des soupçons sur moi. Il m'espionne. Et je l'ai vu discuter en secret avec Cédric, notre ouvrier. C'est pas ce monde. Maintenant, il essaie de retourner ma femme et mes enfants contre moi. Démasqué par votre propre contremaître. Vous êtes vraiment la crème de la crème à l'Institut. Il suffit de les convaincre que Bill a tort. Ça ne devrait pas. Je l'espère. Et c'est pas tout. Cédric a disparu. Bill dit qu'il est parti voir quelqu'un de malade dans sa famille. Mais je crois qu'il a filé chercher de l'aide. Vous avez une idée d'où Cédric a pu aller? Comment voulez-vous que je le sache? Ils ont tout fait pour m'empêcher de le découvrir. Et je parie qu'il y a au moins une personne ici qui est le pro. Si Bill a parlé de moi à June ou aux enfants, il leur a peut-être aussi expliqué ce qu'il compte faire. Ils sont trop méfiants pour m'en parler. Et ils n'ont aucune raison de vous soupçonner. Mais n'oubliez pas, Bill leur a fait peur avec toutes ces histoires. Ça va pas être facile. Hey. C'est un boulot à plein temps d'éviter les ennuis avec les loustiques. Eh, les petits loustiques. Oh, t'es là.
se fait. Ouais, j'ai pas fait de mettre les explosifs parce qu'on se trouve qu'il y avait plein de grenades en mine gratuite. Oui, c'est tous les achats, les maladies et tout à court, on n'a pas de temps. Et du coup, les armes à feu, je peux monter un peu. Dans ce magasin, des postes de travail, des colonies, c'est pas monter. Je peux que ce soit des magasins, oui, et des postes de travail. D'accord, c'est le jeu. Les opérations pour courir. Ça, c'est bien, ça. Je sais plus à quel niveau je peux aller en fait. C'est comment on fait pour les mains d'un jeu aussi. Ah, c'est bien ça. Prendre 200 pour 200.
c'est la nuit que je travaille le mieux. Désolé, madame. J'ai pas le droit de parler aux inconnus. Théolie, on se parle. Comme tu peux avoir confiance en moi. Ne t'inquiète pas, je connais ton père. D'ailleurs... Oh, super. Je suis vraiment content que vous soyez là parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mon père. Bill, le contremaître, il dit que papa est un synthétique. Un genre de robot qui ressemble à une vraie personne. Il lui a dit d'aller à Good Neighbor. Tout ce que je veux, c'est qu'il laisse mon père tranquille. J'ai rien compris, c'est cette fête. Un autre avec qui parler, non ? Là, on va passer aux choses sérieuses. Un truc qu'on découvre comme ça. C'est une balle de baseball.
While walking and entering and depending on en tant qu'interne infirmière clinique, un patient de, avec une infection étrange sur son pied. Trace de pente. Cette infection se répand et une alarme retentit. Et se répand à une allure prodigieuse. Se répand très vite. Mais le docteur est parti, il était absent pendant que fais-je? Que fais-je? Je m'isole, j'essaie de m'occuper un peu vite, j'isole le bâtiment, je confine, j'essaie de couper la jambe, j'ai un petit infection. Pas mal, non? Si je peux faire d'autres trucs cet été. Un bon travail est un travail. Abraxo pour tout pour tout nettoyer. Ne fais pas confiance. On n'a rien à se dire. Dépêchez-vous de trouver Cédric. Il se pourrait que toute ma famille soit en danger. On presse ici. C'est bon. On est bien chez soi. Cléo, vous en prie. Quel est le haut? Je teste uniquement mes armes sur les clients que j'aime pas. Voyons ce que vous êtes. Meurtre et désolé. Si à l'arrivée, on tire le blanc.
ça. C'est une petite folie, les enfants. J'ai des casquettes. C'est quoi ce truc? Putain, je l'ai pas, ça. Deux cents de dégâts, c'est énorme. Beaucoup. Une grosse. Comment elle a fait l'autre meuf hein, sur Twitch, hein, Morini, pour avoir un couteau décassé de sang? J'ai une arme pour chaque situation. Chasse, protection, meurtre de sang-froid, crime passionnel. J'ai quelques minutes pour jeter un œil. Votre vie est ennuyeuse? Collectionnez les flingues. C'est autant ce que je vais faire.
Oui, j'ai pas 1300, tu vas aller à 300. 260, rien. Après, il n'y aura plus de ça. C'est passé un sacré truc à Bunker Hill, non? Tant que c'est l'Institut qui a perdu, ça me va. J'ai de la bonne marchandise. Jetez un œil au rayon, est-ce que ça... Je sais pas qui a eu les tripes de faire péter le dirigeable de la confrérie, mais il vaut mieux pas les énerver. C'est moi. C'est moi. J'ai entendu le message de l'Institut, mais j'ai pas peur d'une bande de rats de bibliothèque en blouse blanche. Tous les amis du maire Hancock sont les amis du Troisième Reich. Du Troisième Reich. Passez un bon moment. Heil. Troisième Heil. Ah, enfin, c'est là, putain. Au feu d'artifice. Je veux savoir ce que vous manigancez avec Bill Sutton. Ouais ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Répondez. Pourquoi
pourquoi est-ce que Bill vous a envoyé ici? Je l'ai très bien compris, la question, au premier coup. Le truc, c'est que je vois pas en quoi ça vous regarde. À moins que ce soit Roger qui vous envoie. Mais je vais vous dire. Peut-être qu'on pourrait s'aider mutuellement. Si j'ai bien appris une chose ici, c'est que les informations ont un prix. Comme tout le reste. Je dois rien à Bill Sutton ou à Roger Warwick. Vous avez qu'à essayer de me faire une offre, et on verra. Attends, une seconde, je m'habille pour te parler. Voilà. Je sais que vous êtes dans une situation délicate, mais des vies sont en jeu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Si je dois encore vous écouter passer de la pommade à ce type, je me flingue. Et après... Bill n'est pas le seul à avoir peur. Jean, vous avez peut-être raison. Peut-être qu'on se laisse gagner par cette peur. En fin de compte, c'était pas très malin de m'envoyer ici. Bill m'a filé une poignée de capsules en disant « Va à Good Neighbor. Il y a toutes sortes de gens louches là-bas. Trouve-nous un monsieur. » Donc, je suis censé trouver un tueur à gages, comme si je savais comment m'y prendre. Il est engagé pour tuer Roger. J'étais d'accord, au début. Maintenant, on dit que Bill Sutton peut aller se faire voir. Il est juste resté ici un moment. Évidemment, il a dû comprendre que j'allais pas revenir. Il a peut-être décidé de prendre les choses en main. Et vu comment il a la trouille, il est capable de tout. Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais, capté. On ne comprend pas du tout dans l'histoire. C'est notre, c'est tête de con. Oh, bonjour, monsieur le maire. J'ignorais que vous étiez des saines. Écoutez, je... J'imagine que c'est vous. Mais dans une semaine... J'ai jamais fait confiance à lui. Hé, hey, Magnolia. Vous me cherchiez? Quelque chose qui tourne pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Allez, fichez-moi le camp d'ici. J'aimerais bien écouter notre... D'accord. Mais... Si quelqu'un peut trouver une utilité à ce truc, vous ayez réglé son problème de rat. Maintenant, si vous voulez quelque chose à boire, allez-y, je vous écoute. Vous êtes dingue ? Tu l'as bien cherché. Oh non, mais j'ai rien fait, les enfants. Mais c'est n'importe quoi, récupère mon truc. Tous les amis du maire Hancock sont les amis du maire Hancock. Beau feu d'artifice.
salope de la confrérie hérite de chez moi deux fois avant de pointer le cas. Il y a eu un nouveau phénomène de voix. Je veux savoir ce que vous manigancez avec Bill Sutton. Ouais ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je ne veux pas qu'on fasse du mal à Annie. Et si c'était le truc, c'est que je vais vous dire. Si j'ai bien appris, je ne dois rien. Mm-hmm. Je sais que vous êtes dans une situation délicate, mais David... Bill n'est pas le seul à avoir peur. Mais vous avez peut-être raison, en fin de compte. Il m'a filé une poignée de capsules en disant... Okay. Donc, je suis censé trouver un tueur à gages. Comme si je savais... J'étais d'accord au début. Mais maintenant, on me dit que Bill Sutton... Uh-huh. Évidemment, il a dû comprendre que j'allais pas revenir. Il a peut-être décidé de prendre les choses en main. Et vu comment il a la trouille, il est capable de tout. Avoir bien accroché pour débarquer. Mon client était Rad. Oui. Beaucoup de choses à faire. J'aime bien ça. Alors, personne n'a créé des messages ? Ok. Très bien. Alors, c'est... Il n'y a pas de questions. Et puis, ce qui n'y a pas de... Tadou ! Mais ce n'est pas une idée. Et tout le monde s'amuse. J'aime jouer. Faire des jeux, faire des crèves, faire des machines. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ah, c'est beau. Ah oui, un beans. J'aime bien les beans. Façon ou d'une autre, tu vas avouer qu'il t'est vraiment. Et à ce moment-là, tout le monde saura que le vrai Roger Warwick est mort et enterré. Mais il est là, Bill. J'ai perdu la tête, Bill. Écoute, on peut en discuter, sois raisonnable. Vous, je sais que vous faites partie du complot. Vous avez sûrement tué le vrai Roger pour que cette chose prenne sa place. Du calme, Bill. Évidemment que j'ai peur. Tout le monde devrait avoir la trouille. Mm-hmm. Vous êtes qui, vous, d'abord, hein ? Non, vous débarquez de nulle part. Vous causez en douce avec Roger, et après, comme par... Bien. Et ouais, j'ai tout compris. Je sais que vous manigancez... Uh-huh.
Vous voulez vraiment que ces enfants se retrouvent? Leur vrai père est mort depuis longtemps. Et alors qu'est-ce que vous allez faire? Et vous? Vous êtes prêt? Vous allez pas tarder à le savoir. Vous êtes... Ben, je me suis fait baiser. On pouvait pas le sauver, le mec. Bon, on va tester ma nouvelle arme. Dingue. C'est ta dernière chance de filer. Je prendrais bien un peu de... On a suffisamment de provisions pour que je puisse vous en proposer, si ça vous tente. Prenez tout ce que vous pouvez, je monte la garde. Vous nous avez sauvés. Je ne sais pas comment vous remercier. Ça va? Oui, à peu près. J'ai bien cru qu'il allait vraiment me tuer. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a poussé à... Bill était déjà à cran. Il a dû prendre peur quand... Il a dû se dire qu'il avait plus le temps, alors il a décidé de prendre... Vous pouvez dire à nos amis communs que je vais planter ces graines. En attendant, faites attention. Je veux juste faire un échange. Entendu. Maman cuisine. J'aimerais échanger des objets. Allez-y. C'est super d'avoir plein de trucs à... Je peux dépouiller tout le monde comme ça. C'est gentil. La situation ne serait pas mauvaise si on avait une bonne source d'eau potable. June. J'ai quelques trucs à vendre si ça vous intéresse. Dieu sait que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai quelques minutes pour jeter un... J'ai quelques trucs à vendre si ça vous intéresse. Dieu sait que ça n'a pas toujours été le cas. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil.
j'ai que volé là. Oh. Ouf. Heureusement que vous étiez là. C'est cool ça. Bonne arme ça. Bon bah cette mission est... de la merde. Une heure de Unity, une heure de langue ou de tuto. Monsieur. Oh, dis-moi, t'as un gros pistolet, toi. Pas mal du tout. Où tous les copains. Voilà. Rowdy. Bonjour, Rowdy. Fini? Philippe? Non, fini. Ouais. Et je vous raconte. Pourquoi tu crois que je m'y suis pas collé? Franchement, construire une ferme sur une station des buvards. C'était un vrai dépotoir là-bas, hein. Merci d'avoir. June dit que vous aidez beaucoup. Quand on a trouvé cet endroit, ils nous ont aidés à démarrer. Ils nous ont filé à bouffer sans jamais. Alors on s'est dit qu'on pourrait réparer leur pompe, histoire de virer toute cette boue dégueu. Va pas raconter partout que les Atom Cats font dans le sentimental. Okay. En fait, j'irai jeter un œil à ton taf. Pas question qu'on fasse porter le chapeau aux Cats, ce boulot est dégueulasse. Alors. Yo. Il y a des artilleurs qui se pointent. Putain, okay. Ils vont pas recommencer. On va se les faire. N'hésitera pas.
C'est l'heure de la récolte. Ça marche, hein. Zeke. Merde, des artilleurs. Ces enfoirés arrêtent pas d'essayer de nous piquer nos armures. Mais toi, tu cartonnes. Grâce à toi, on n'a pas perdu un seul gars aujourd'hui. C'était rien. Non, t'es topissime. Les quatre, c'est toi, c'est à la vie, à la mort maintenant. Chez nous, c'est chez toi. Je peux même te faire des prix sympas si tu veux. Et voilà le Graal de tous ceux qui savent ce qui est cool dans le Commonwealth. Ton propre blouson des Atom Cats. Porte-le avec fierté. C'est beau. On a un petit peu d'amour. Tony. Tony ! J'aurais pu sauver la vie, France. Sauver la patrie de mon enfance. Empêcher les racistes. Sauver les racistes. Lui, fait de la musique demain. Christophe May, Christophe May, Kinder, Ed Mitchell, Johnny. Il faut que je me lâche, que je trouve ma voix. Bon, bah, en plus, je dois avoir une super tenue des. Ah là là, qu'est-ce que je. Oh là là, oh oui. Manu. Guys, Manu. Si je la mets par dessus, ça rentre ou pas? Je ne prends pas les couilles. Super. Vivez tranquille. Merci d'avoir ramené ce synthétique. C'était du bon boulot. Ça ne soit pas. Bon. Je sais que vous traversez une dure épreuve, mais vous êtes maintenant le leader de l'Institut. Vous devriez aller voir le docteur Fillmore. Je vais. Bonjour. Cet endroit est vraiment incroyable, vous trouvez pas? Ah ouais. C'est topissime. Tu sais. Salut. Je croyais que tous les gens de la surface ressemblaient à des mecs. Mais vous avez l'air assez normal. Vous avez l'air, vous renseignez un petit peu.
Salut, toi. Si seulement Quentin pouvait arrêter de raconter ses histoires stupides. Salut. J'ai pas peur de la surface. Cette unité fonctionne à Je suppose qu'on ne reverra pas la confrérie de l'acier de si tôt. J'ai apporté les graines. Excellent. J'imagine que tout s'est passé sans incident. Oui. Ouais. C'est formidable. Tenez, voilà quelque chose qui devrait vous aider lors de vos prochaines missions. Ce sera tout, merci. Docteur Carlin. Toutes mes condoléances pour la perte de votre fils. Oui. J'ai l'impression d'être à l'aube d'une ère nouvelle. Bon, bah alors, désolé, on va s'arrêter là, les enfants. On a pas beaucoup. Voilà, ils ont un beau singe. Oh, viens, 4 3D. C'est Bethesda. Bon. T'as qu'à le faire, toi, mais t'es pas content. Faire ça, c'est pas fini. Hein. Hey, bien que j'ai un truc, t'aurais dû filer. Quoi? C'est tout? Dites-moi ce que je peux transporter. Qu'est-ce qu'il y a? Tout pété, moi. Avec de l'aliasing.
ton temps, tranquille. Bon, ciao. Raté. Oh putain. Ah oui. Alors, ça va pas être si évident que ça. Ma vie, c'est la merde. Toi, tu vas pas te lever là, m'aider là, on va en foutre. Où est-ce qu'ils ont foutu le camp? T'as changé toujours là? Oh. Bim! In your face, baby! C'est une blague ou j'ai aucune force en fait? Rien de personnel. Yeah. Vous pouvez voir.
Merde. Personnage de jeu. Belle photo. Y a rien que vous pourriez balancer. Si. De quoi vous êtes? J'avais besoin. On fera la suite plus tard, avec les copains. Il faut que c'est moi qui me revienne en fait. Que je dirais, ouais. Salut.